Réponse avec cette expérience menée dans la rue. Des passantes sont invitées à noter de 1 à 6 le charme de ces deux hommes. Alors ça prend 2 secondes. De 1 à 6, de 1 à 6, oui. Quelle note vous donneriez à ces deux jeunes hommes au niveau de leur attractivité? Ok. Oui. Si c'est en la meilleure note. Ouais. Je dirais 3 et 5. Ok. On a le droit aux 3,5? Oui, bien sûr. 3,5. Ok. De 1 à 6, vous lui donneriez combien à ce jeune 5. Homme 5. 6 pour celui de droite. Ok. Et 3 pour celui de gauche. Résultat, le beau mec obtient 5,5 alors que le second, 1,3. Et maintenant, imaginons le même homme dont le nom et le statut sont fictifs, gratifié d'un attribut de poids, le salaire. On peut dire même un 5. Ouais. C'est la personne parfaite, jeune, gagne bien sa vie, directeur commercial déjà. Oui. Mignon. Ouais, 4 aussi. Ouais. 4,5. 4,5, 4, 5. Ouais. 4. 4. Oui. Je dirais 4. Eh ben alors, 4,5. Sur une échelle de 1 à 6, ça fait 6 étant la meilleure note. 4. 4. 4. Sa note a bondi de 3 à 4,2. Et qu'en est-il maintenant si notre bellâtre, évalué à 5,5, est présenté comme un sans-emploi? On va lui mettre un petit 4 aussi. 4 aussi? Aussi, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en gros? C'est vrai que d'abord, c'est l'image, enfin le physique, la sympathie, puis ensuite, on lit ce qu'il y a en bas, mais... Ah, ouais. Ok, 4 et 4. Ça, c'est parfait, ouais. Aussi, 4. 4 aussi? Il est bien, ouais, mais bon, évidemment... Il n'a pas de salaire. 4,75. D'accord. Ok, merci beaucoup. Eh ben, 2. Pourquoi? Pour la simple bonne. Bah, certes, il est plus... Je veux dire franchement, il est plus mignon que le monsieur d'avant, mais il est célibataire, sans emploi, le monsieur a une meilleure situation que lui. Enfin, on ne va pas toujours tout juger sur la beauté. C'est mon intérêt, enfin, c'est mon principe. Après, voilà. Je comprends. Merci voilà. Beaucoup. De au rien, revoir. Au revoir. Ah, les femmes sont cruelles, de 5,5, notre Apollon tombe à 3,9. Morale de l'histoire, mieux vaut être pas très beau et riche que canon et sans le sou.